En pleine guerre de 100 ans, c'est le bordel partout. La France, elle se fait déchirer par les Anglais. Bonjour, est-ce que vous saviez que depuis toujours, la destinée de l'île a été conduite par des femmes? Eh oui, des grandes femmes qui ont fait l'histoire de l'île, et pas qu'aujourd'hui. Je veux dire, ça remonte déjà au XIe siècle, où l'histoire de l'île rentre avec Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant qui va enlever la fille du comte de Flandre ici, au château de la Salle, à Lille. Elle s'appelait Mathilde. Et cette Mathilde, hein, alors Guillaume le Conquérant, il devient roi d'Angleterre, donc c'est pas mal pour l'île, ça, quand même, déjà, tu vois, t'as une femme, elle est d'ici, elle devient reine d'Angleterre. En plus, Mathilde, donc la femme de Guillaume le Conquérant, c'est à elle qu'on doit la tapisserie de Bayeux. Sympa, merci les Lillois. Après, c'est pas fini. Au XIIIe siècle, alors qu'après la bataille de Bouvines, eh bien, on se dit que la Flandre, elle va être comme un frimur, les Français, ils vont sauter dessus. Eh bien, non. Alors que Ferrand du Portugal, le comte de Flandre, il est enfermé à Paris, sa femme, encore une femme, la comtesse de Flandre, qui s'appelle Jeanne, puis sa sœur, qui s'appelle Marguerite, vont veiller à préserver, à sauvegarder l'intérêt des Lillois. Et c'est pas fini! Au XIVe siècle, c'est encore une comtesse de Flandre. À l'époque, elle s'appelle Marguerite aussi. Eh bien, elle va épouser le premier duc de Bourgogne, qui s'appelle Philippe le Hardi. Et voilà pourquoi Lille, qui était donc flamande, va devenir bourguignonne. Et ça, c'est sympa, parce qu'on est au XIVe siècle, en pleine guerre de 100 ans, c'est le bordel partout. La France, elle se fait déchirer par les Anglais, et donc elle baisse. Donc le commerce, où est-ce qu'il va quand il y a de la guerre? Eh bien, il va là où c'est tranquille. Et où c'est tranquille? Un peu plus à l'est. En Bourgogne. La Bourgogne, à l'époque, c'est énorme. Hein. Ça va de la Flandre jusqu'au Mâconnais, la vallée du Rhône. Et c'est donc une femme qui a permis cette richesse, cette prospérité maintenue pendant la guerre de 100 ans à Lille. Voilà. Et c'est pas fini. Au XVe siècle, maintenant, eh bien, la Bourgogne va passer sous influence germanique. Grâce à qui? Une femme, encore une héritière de la Bourgogne, qui s'appelle Marie de Bourgogne et qui va épouser l'empereur d'Autriche, qui s'appelle Maximilien. Et voilà Lille qui va continuer à prospérer parce que maintenant elle fait partie de l'immense empire des Habsbourg, l'empire germanique, qui va de la Hollande jusqu'à l'Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les femmes qui ont fait Lille. Incroyable. Et ça lui a porté chance. Et si vous voulez connaître la suite, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien.